24. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, il y a Canal Congo Télévision, auditeurs, il y a 96.8 MHz Radio Liberté, Kinshasa, Tokutani, dernier numéro, il y a semaine, il y a émission Nabino, rendez-vous des auditeurs, rendez-vous auditeurs, émission Pesa Kabino Possibilité, il y a Kobenga, il y a Kopesa Makanisi Nabino, il y a Kopesa Baide, Namatsolo, Oezali Koleka, Namboka, Nabiso, Congo, vous allez disséminer à travers la République démocratique du Congo, dans différentes provinces, Kunali Banda et Mboka, vous allez quoi Nabiso en direct à ces moments sur notre page YouTube. C'est cette viralique officielle, Toya Wapuna, To Lobela Congo en vie de solutions, dans différents problèmes, où ils allaient qu'on guetter à ce jour les Congolais. Et Congolais de sujet au cœur, il y a Massou Nabiso, il y a Mokolo, il y a Lelo, élection de gouverneur et vice-gouverneur, sénateur au campagne, et c'est là qui Kozala lancé Mokolo, il y a hier, jeudi 25 avril, ces élections auront bel et bien lieu après la confirmation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, c'est lundi. 29 avril, est-ce qu'il y a le signe, il y a transparence, paix, crédibilité, il y a ma ponami Oyo, électeur, Ezali, vraiment, député provinciaux, spéculation de prix de transport, courant, électricité, comment résoudre ces différents problèmes, Tomonaki, gêne, justement, il y a Tiango, Oyo. C'est là qui ont cassé certains véhicules, justement, par rapport à flamber de prix imaginaires. Bangomoko, les Congolais, Yokani, Matisse a pris sans pour autant respecter tarif gris tarifaire. Il y a hôtel de ville de Kinshasa, comment restaurer l'autorité de l'État et arranger certaines choses dans ces secteurs des transports en République démocratique du Congo, Tokosolango, Nabino, au message un peu d'Abisso de partout à travers le monde, mais également avec nos invités sur ces beaux plateaux des Canal Congo Télévision avant justement de vous présenter, invité Nabisso. Il y a mon collègue Alélo, pensez na Bisso et qui est directement à une personne qui est vraiment admiratrice de cette émission. Rendez-vous des auditeurs, Sarah Sota. Sarah Sota, une personne généreuse, elle est tellement sublime, classée parmi les femmes battantes. Sarah Sota, qui célèbre son anniversaire à ce jour. Heureux anniversaire, Nayo, maman, Botama et l'amour, quai du bonheur, vie heureuse, vie 100 ans, Sarah. Sota, voilà, 082-33-33-749, 082-33-33-749, les numéros. Puis vous allez qu'on a vu ça, Nabanda Konabino, Namitu Kanabino, Nabamoto Nabino, beaucoup participé en direct à cette émission. Rendez-vous des auditeurs, des invités déjà ce matin, Tozali, Ndeko Gilles, Guilembi, Kabenda, Oazali. Guilembi, Kabenda, Oazali, interfédéral. Du Parti politique Union, on fait la force, UFF, Constantin Mbegele, Ndeko, Gilles Guilembi, Mbote Nabi. Mbote Ndeko Maxime, Nazali na Esengo Ebele, yako répondre na invitation na yo, pour nako yako contribuer, n'est-ce pas, na Oyo, Ezali, éveil à conscience yaba Congolais. Pour contribuer, n'est-ce pas, na Oezali vision ya mokonzi ya mboka tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Mais avant na banda nazali kopesa mbote mingi na président national na ngai député élu réélu pe éligible Ezali bongo ndeko Constantin Mbengele Tamoukou Kouet, et pas Yazali na libota na e na pesi mbote ebele.
na pesipe mbote mingi na moko ya ba collègue ya secrétaire général Natangi Kabuya izali bongo ndeko Junior Bakokela wazali secrétaire général ya parti na ngai na pesipe mbote wazali ko tambwisa avec beaucoup de compétences parti na biso Union fait la force na pesipe mbote na bandeko ou bazali ko landa biso. Merci beaucoup, Ndeko Gilles Guy Lembe, Maître Jeannot Lopempe, cadre FCC de Joseph Kabila Kabongé. Ndeko Jeannot Lopempe, mbote na yo. Mbote na yo, Ndeko Maxime, il faut de plus, merci beaucoup pour l'invitation. Mbote également, pour le moment, nous sommes partis, nous sommes en train de faire. Je sais que Bazali est tellement ébélé, et je pense que comme Ndeko Bakokela, Atini lelo moko na bango ya parti, il sera à mesure ya pouvoir contrôler ba tante et à peuple congolais, c'est très important. Merci beaucoup. 082-33-33-749. 082-33-33-749. Des numéros Boko Benga Bopesa Makan Sabino Nabasi Zali Kolobela Mokolo Alelo Baroba Rosa Possibilité Yakokota Nan Standard T Boko Melabiso Na WhatsApp Ya rendez-vous des auditeurs pour qui passent à venir Kozala lu débattu tout au long de cette émission. Rendez-vous des auditeurs, on est tradition exactement une minute. Il y a sujet isolé na chaque invité. Tobani na Ndeko Jeannot Lopempe. Bon, Maxime, et minute nanga ya sujet isolé na tonga lelo na linga qui beaucoup plus na fixé mon opinion. Pourquoi? Parce que comme il bien très bien, il y a un débat aux gens pour les ville à Kinshasa ou voire même sur le plan national, à ce qui concerne le niveau du ministère de la Finance, même le ministère du Développement Rural. Comme vous voyez bien, entre bien, dans le cas de Kanabiso, ma caméthalie à la construction, à l'installation, à la forage, à la commande, à la Nicolas Kazadi, où il y a Kedaki Kosala, pour le briefing spécial avec Neko Patrick Mouyaya, pour la Koluka Mouyaya, pour répondre. Ma révélation, Bissou Toluba qui a reçu ma grand-métalie, un scandale financier, il y a projet, il y a Toulanda qui, pour des presses, il y a des débriefings. Malheureusement, il ne faut pas y aller. La réponse, il y a M. Nicolas Kazadi, il y a Pessi Bakongomani, lors du briefing spécial, il y a en complicité avec Patrick Mouyaya, ils allaient échec, ils allaient sonner. Pourquoi? Parce que, tout ce qui est comme on a, il y a quatre réponses, il y a M. Nicolas Kazadi. Maka metali ya ba construction ya ba forage na maka metali ya ba lapade mais c'est Nicolas Kazadi a construit ba Kongman ponani parce que sur metali dans un plateau spécial justement bien sûr Ndeko Maxime donc et ça question mon il faut tout ça les langues plateau spécial ba congolais faut bailler ba kenon partout place bazali il faut battre les mains ba exiger beaucoup plus de rélevabilité maka metali ba soupçon ya détournement même soupçon ya falsification parce que na débriefing wana bien mon ministre Nicolas Kazadi a reconnaître que non, effectivement, il y a eu la signification. On se pose la question, ce qu'on reconnaît là, mais pourquoi on peut ça qui a monté? Premier élément, deuxième élément encore, à l'objet que non, voilà, on a communiqué dans le 13 avril, que non, ni société Steve Construction a livré qui déjà pris des centaines de forages. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas 50 forages. On se pose la question, monsieur Nicolas Kazadi. Projet on a un forage et un lampadaire. Et c'est là qui est validé par lui. Donc, explication un peu si complète. Non, mais Neko Maxime, se démontrer, il y a même la lettre, il y a un ministre Nani, c'est là, il y a la goule. Se démontrer que non, 6 jours avant, lors de la remise et reprise, mais c'est Nicolas Kazadi, c'est lui qui a validé projet Wana. C'est lui qui a payé même. Et ce qu'on a même la dernière révélation, c'est très grave que non, on a démontré que non, l'implication directe, il y a M. Nicolas Kazadi, n'a qu'à soupçon à détournement. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est quoi? Nous, étant que politiques, nous, étant que peuple congolais, toujours c'est une sanction beaucoup plus. S'il n'y a pas de sanction, sachez-le que non, à partir de lundi, tu peux déposer notre mémorandum. Donc on dépose parce que quelqu'un le connaît, Nicolas Kazadi, doit répondre à la justice. Merci. Par explication, il y a le courant, il y a le goutard, peuple congolais a commis la voie de sous-souté. Merci beaucoup, Maître Jeannot Lopempe. Ndeko Gilles Guilembi.
tous les cas qui ont la fois passé, Ndeko Maxime, tous les cas qui ont été oyo le cas ba Ndeko ya ministère ya industrie ba trouvé dans nos gains de cause te tokotika likambo oyo te ezali nini ezali détournement par les DG oyo et salemi na niveau ya DGRAD de la part ya directeur général Totangi Kombo Jean-Lucien Ekofo. Jean-Lucien Ekofo a sali détournement de fonds oyo ezala ki destiné na ba agent ya ministère ya industrie. Ndeko Maxime toza komona makasi oyo mokonzi ya mboka azali kosala pour na correspondre na ba besoin n'est-ce pas ya peuple congolais pe ya ba fonctionnaire de l'état pe na kati ya makanisi wana tulubaki te ministre oyo ndeko awuti kotanga Nicolas Kazadi ayebaki na ko organiser mission moko po esunga tata mokonzi ya ekolo azwa makoki azwa misolo n'est-ce pas po na ko faire face na bitumba oyo ezali ko salema na este démarche wana ezalaki po na ko sala nini ko tondisa trésor public na misolo epesa makoki na l'état ko somba ba armement ko somba ba teni pe ko lesa ba militaire alors mission wana esalemaki malamu penza te. Pourquoi? Parce que ministère industrie azangaki makoki parce que ministère ya finance achaki nanu ba moyen te oyo ekokaki kosala lokola ba frais de mission. Et alors DGRAD lokola azalaki prêt apesaki mbongo na ministère ya industrie po mission wana eyebana kosalema na sima na yango balobaki boye soki ministère ya finance ayebi na ko approvisionner na bandi distribution ya temps et gozala équitable ndeko na ngai Maxime. Merci. Alors s'il te plaît naza ko chiter très rapidement parce que c'était une minute ya. Voilà. Alors bazila kité que ministère ya finance ayeba na ko approvisionner ligne budgétaire ezali ya frais de mission mais tango l'état a tient à disposition salaire taux nini rétrocession pour na ko encourager ministère ya industrie na mosala o basali ko tondisa misolo na libenga ya l'état et ndeko Jean-Lucien Ekofo azimbongo wana akangi yango pona nini démarche to ebi ezali pona ko opposer chef de l'état na ba fonctionnaire ba marché po opinion e bana kolobake chef de l'état azali ko kosalela ba fonctionnaire te tozali ko dénoncer situation wana esengeli ndeko Lucien azongi sambongo wana soki te tokotika ete ndeko Gilles Guy Lembi je crois le message est passé de cette dénonciation de ces détournements si c'est avéré donc justice il faut se saisir sur ces dossiers il y a détournement na DGRAD, c'est ça. DGRAD. Ma preuve est allée. Secrétaire, il est secrétaire général du parti politique écolo qui nous fait l'honneur ces jours, Maître Jacob Mbangi Mbotenoyo. Mbote Ndeko Maxime, merci pour l'invitation. Je m'excuse pour le retard. Cela est dit indépendamment de ma propre bonne volonté parce que. Tout ça l'union se doit au sala mais tout comme il est tard na sengi na pesi en fait na sengi ba excuse n'aurait pas bato à ta labisso mbote na bato to ka pipe directement avec mbote bato to ka ba mon plateau alors lobby j'étais surpris ba bande ko ya yolo médical ba côté ngana na bureau privé pour me dire maître Jacob Mbangi yozali notable ya kalam. Et là, on est au réseau des canaux. Ce que je yolo médical, le boulot mort salami. Oui, oui. Embouteillage, il y a Bouzoba. Parce que maître Jacob Mbangi, tu habites ville, Basundoli, Yango, le projet est sous terre. Ou bien. Boulou par-ci par-là. Tout le monde, côté wana les boules salami donc personne n'en parle rompre wana kaka oui rompre bongolo rompre bongolo wana au mona les boules salami et à côté de ça salité à Rosakana tende comme Maxime on ne comprend plus rien
Donc je pense, mais Jeannot Lompepe, s'il vous plaît, j'ai une élégance, Donc voilà, biscuit au Nazaraki Nango, n'a pas maman mouquet, je pense que tout. Merci beaucoup, Maître Jacob Bangui, 082-33-33-749, le numéro avec lequel vous pouvez participer en direct à cette émission. Rendez-vous des auditeurs à vous, les claviers. Tofongoli, Masson Abisso, Yamokoula Lelou avec Maître Jacob Mbangui, élection des gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs, campagne électorale, et c'est là qui est déjà lancé, Mokoloya. J'ai dit, élection proprement dite est attendue pour ces lundi 29 avril de Kojano le Pepe. Nous allons comment dans ma ponamio, il y a un sénateur, gouverneur, vice-gouverneur de province. Est-ce qu'il y a des signes, il y a transparence et crédibilité? Bon, Nego Maxime, oui, avant d'aborder même une question, on est allé à l'élection. Je suis en face de la débattre, et je suis sacré, je suis sacré, secrétaire général, Maître Jacob Mbangui. Mais les constats, ils allaient simples à un moment donné. Donc, on passe à la carte, il y a sacré. Il y a des élections que nous avons pour nous la paix, parce que c'est vrai. Il y a notable, il y a Founa, ça c'est vrai, il n'y a pas un problème, c'est un notable. Mais on passe à la carte, il y a sacré. Donc, en quelque sorte, il vient dans le plateau, à ça qu'on voulait, c'est que nous avons. Parce que tout au long du mandat na Bango, il y a eu même un projet, un programme, il y a zéro tout Kinshasa. Je crois que Bango va soutenir le projet. Le projet, il y a zéro tout dans la ville de Kinshasa. Awa. Il y a eu des millions de dollars. C'est ça, Maloukone. C'est ça, Maloukone. Parce que dans le concours, il y a comment il s'appelle, avec le ministre Jissaro. Il y a eu des pèses, il y a eu des pèses. Mais on l'a vu, on a vu, le projet à zéro tout. Est-ce qu'il y a eu? Quel est le résultat pour vous démontrer ça? Parce que on a dit même que nous avons dans le gouvernement, il y a un mensonge. Le ministre a échoué dans le projet qui était sans zéro tout. Mais tu as l'air de briefing avec Mouyaya. Alors bien, notre projet, les alliés, réussit à 90%. Mais, s'il vous plaît. Maintenant, il vient dans le plateau, il vient pour plénicher. Non, Azali Kolouga, attends que porte-parole. Non, quand, non s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il parle comme porte-parole, d'accord. Oui. Mais il est dans l'Union sacrée, il est dans le pouvoir. Il faut trouver une solution. Donc, en quelque sorte, je crois que non, prochainement, il est censé être saisi. Bah, autorité habilitée. Au lieu qu'on se plaigne, habituellement. Voilà, on a besoin des résultats. Population a dit que non, Azali Mota l'Union sacrée. Actuellement, ça va pas pédoyer, ça va pas lobbying, de sorte que non, les boulots, on n'a pas de Koundayango. Mais il y a quoi, la loi, on a de ce quoi qui est. Et ça, voilà, Mouté. Question pour arrêter la élection de Maxime. Moi, je vais répondre d'abord à Kadima. Parce que Kadima, quand on a le bureau, on a voilà, on a dénoncé la corruption. Oh non, voilà, Kadima, on a dénoncé la corruption, on a mis l'élection, on a gouverneur, voire même l'élection sénatoriale. Mais s'il vous plaît, Maxime. Le procureur général. La vraie corruption d'abord, s'il vous plaît, Maxime. La vraie corruption d'abord, c'est où? C'est au niveau de la série. Oh. Mais on a vu comment la série a été. Mais il y a collecté Nini, Maxime. Hier, il y a eu, comment il s'appelle, deuxième vice-président, il y a eu sacré. Mais ça dit Manara. Il était là, dans la radio, pour remplacer. Mais regardez ce qu'il y a dit à la radio. Dans la maquette, il y a eu une réaction à Didi Manara. L'homme ici, la radio, pour remplacer. Et c'est là qui n'est. Donc la Seigneur aujourd'hui, à quoi ça m'a dit, a dit, mais le col à Moussan tout est. Donc Seigneur comme le col à Saint. Mais est-ce qu'il y a une corruption? Il n'y a corruption, il y a pas la Seigneur. La corruption, c'est entre niveau, il y a gouverneur et sénatorial. Mais il y a un problème, Maxime. Parce qu'il y a des ministres dénoncés qui m'ont convoqué à la corruption. Ponamu est allé sénateur, le gouverneur de province. 2011, 2018, c'était encore grave la 2018. Mais aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'il y a changement, amélioration d'organisation, ma bonne amie, il y a tel niveau où il n'y a eu pas de changement, Maxime. Pas député provincial. Il n'y a eu pas de changement. J'ai toujours dit dans notre pays ici, mais l'élection, c'est Marie Namokaoté. L'élection, ça l'est Marie. Quand il m'a essayé de arrangé avec son bureau, il m'a nommé la volonté là-bas. Pour il y a une émission qui est non. S'il vous plaît, Maxime, s'il vous plaît. Nous sommes en pleine crise politique. La crise politique est là, Maxime. Et à ce moment-là, on va parler de gauche à droite. Parce que nous sommes dans une crise.
Il y a une frange, il y a une grande population, la population, va se reconnaître des réélections, mais c'est Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement va plus de 70%. Non, Maxime, il y a pourcentage. Ce sont des chiffres. Par contre, on peut se reconnaître, mais pas on peut se reconnaître aujourd'hui de 100%. Kadima, il est capable. Vous comprenez? Comment voulez-vous, Maxime, vous allez empêcher la corruption? Par quel mécanisme? C'est ça le problème. On a vu comment va député va dans la liberté nabango. Vous pensez que nous avons bloqué à mon aide? Quelque chose va l'aider, Maxime. Mais on a vu comment Kabouya Sali va réunir plusieurs fois. Avec le député provincial. Mais quel est le résultat? Donc aujourd'hui, il est question, il faut qu'on reconnaisse que nous, Maxime, la corruption dans notre pays, ils allaient punir, il y a une loi qui punit la corruption. Mais il est question, c'est quoi? Entre le corrupté et le corrompu. Comment on va détecter dans mon engue nul? C'est ça le problème, Yangouana. Parce qu'ils ont des questions, ils ont des questions par grands électeurs. Oui, oui. Peuple a voyagé. Mais d'habitude, ce que j'ai dit, c'est qu'on a eu. Par contre, il y a un peu, ça veut dire qu'on a eu. Bon, ben, s'il vous plaît, Maxime, la corruption dans notre pays, c'est à tous les niveaux. Comment on a dit que la corruption est à tous les niveaux? Même si aujourd'hui, il y a une volonté. Parce que la volonté de combattre la corruption, et bien là, depuis qu'elle a. Depuis qu'à l'avant, il faut tenir compte de la pouvoir. Il y a eu cette volonté-là. Le temps donné qu'il va tirer des lois sur la corruption, la lutte contre la corruption, tout est venu à partir à Ouana. Et ce qui est venu pour continuer là, à Ouana. Mais aujourd'hui, ça pose un problème. La corruption, non seulement au niveau sénatorial, le gouvernement, même à travers le projet de l'État. Elle a toujours dénoncé à Ouana que non, il y a eu une soupçon, comment on appelle ça, une privatisation. Il y a des tournements. Le membre à l'État. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on a vu que non, il est difficile. Au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on détecte ce bien qu'on a commencé à balancer dans l'électorat. Mais il est question, est-ce que vous avez la preuve? C'est ça aussi, pas parce que la loi, s'il vous plaît, Maxime. Tout le monde a voté. La loi, si la lutte contre la corruption. La loi punit et le corrupteur et le corrompu. On se pose la question. Vous pensez que non, un gouverné, ou a corrompu les députés. Alors, à la volonté, il y a une raison à débuter. C'est ça aussi le problème. Merci. Il y a des accords politiques. Parce que nous, on sait que non, il y a la pression est là. Il y a des pressions par parti politique. Mais par député provincial, je crois que nous, bah, ça, la liberté, là, bah, il y a aussi le meilleur choix. Parce que preuve, il y en a que non, pour la vie de Kinshasa. Tout le monde est un village qui dit ça. Merci beaucoup. Donc, on sait que ça les volontés à Mayabouti. Et que la corruption a dominé, je crois que non. Bakino et le Congolais, Bakoué et la Ciment. Merci beaucoup, Maître Jeannot Lopempe. Plusieurs candidats sont en liste pour qu'on remplace Gentil Ngobila à la tête. Il y a ville, province de Kinshasa. Maître Jeannot Lopempe, campagne. Jacob Mbangi. Jacob Mbangi. Jeannot Lopempe est déjà déterminé. Merci. Maître Jacob Mbangi, campagne déjà lancée, mais aujourd'hui, est-ce que Maponami est allé organiser Mboka va dénoncer qui 2006, 2011, 2018, ou qui plus grave avec Bassène, il y a corruption, ou ils Mayaki, Maponami, Oyo, électeur, ils allaient le député provincial, est-ce qu'il y a des signaux, il y a transparence, paix, crédibilité, na Maponami, ou ils allaient Mboka va causer là. Ndeko Maxime, avant de répondre à la question, parce que c'est une question très intéressante, si on a le moment de Mbroglio, où il y a Jeannot Lopempe, aïe, au Tchana Plateau, Jeannot Lopempe me qualifie de l'Union Sacrée. Il oublie qu'actuellement, Nazali secrétaire général, il y a parti politique écolo. Parti politique écolo, tu signes dans le charte, il y a l'Union Sacrée. Ah bon? Ça, c'est un élément de taille. Oui. Parce que pour être membre de l'Union Sacrée, il faut signer chaque l'Union Sacrée. Oui, oui. Tout naturellement. Donc, Tikako, Kotsangana, Kotewana, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut voir que l'Union Sacrée est aussi l'apanage de la corruption. L'Union Sacrée est pour détruire Mboka. Ce n'est pas ça l'idée idéale de l'Union Sacrée. Parce que lorsque le président de la République a prononcé qui parole, il faut travailler à l'Oba qui venait. Tout travailler pour l'intérêt à Mboka. Alors, bato bazana katia ino sacré, bazo penser
que Bayende pour remplir ma boumouna bango, il y a un peu de dénoncer. C'est oui, oui. Tout naturellement, contrairement à FCC, au Bino, au bomba corruption, au bomba, au bomimboka, au Jano Lopépé. Quand tu devais avoir honte. Ah, mais la corruption, c'est. J'ai le pas d'ailleurs, n'a pas le banal, au dos fin à téléphone, on dit, oh, yo, camarade, zoé, bisaï. C'est une honte. Maintenant, tu peux venir sur le Bayende sacré, Jano, au kio, ça la monte. En tout cas, Naé Bissarao, on appelle ça au conseil. En tant que jeune frère, Nangaï Naïf Sarayo, Jeannot Lompépé. Monsieur, un peu de respect. Non, attendez, Naïf Sarayo, Jeannot Lompépé. En tant que jeune frère, non, attendez. Non, 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 s'il vous plaît. Non, non, en tant que jeune frère, Nangaï Naïf Sarayo, Jeannot Lompépé. Non, 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 non. Mais laisse-moi Malembe. La moindre des choses, c'est de respecter vos coups de valeur. Je te respecte, Jeannot Lompépé. Attention, non, non, attention, attention. Si tu as de la même émission, là, c'est pas normal. S'il vous plaît. Et j'ai les sénateurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Malembe, toi qui n'es Malembe, Ndeko Jeannot Lompépé, Lobi, Mouta Dérajo, Azalakité. Merci. Tango, Ndeko, Jacob Mangi, pas d'aller au Loba, ceux qui, à Lobi, Makamouya, Malbe, ils ont noté à mon papier, et on reçoit réplique au balai, mais l'on reçoit sur la belle Lobi. Maître Jacob Mangi, vous avez dans ma Loba. Merci beaucoup, Ndeko Maxime. J'étais préoccupé à dire ceci, Naïm Sarah, jeune frère, Nanga, chaque fois, que ceux qui ont dit que vous avez dit, là, pour Nanda. Oui. Vous êtes de venir dire des choses où il y a un problème. Alors, tu as un problème, il y a élection, il y a un gouverneur. Il y a un sénateur, parce qu'il va combiner. Oui, mais ça, on va dire le même jour. Il y a beaucoup de choses où il y a se poser comme question. Premièrement, ceux qui ont une province, dans la, par exemple, Équateur, bureau définitif, et ça a maquillé, mais entre-temps, bureau il y a d'âge. Trop de problèmes, mais allez même... Voilà, bureau d'âge, il va se contester bureau définitif. Et ce sont les problèmes un peu partout, dans l'assemblée provinciale. Ça, c'est la première des choses. Ok, jusqu'ici, oui. Situation n'est pas régularisée. Et puis l'élection ne sera pas organisée dans l'Équateur. Justement, oui. Justement, dans l'Équateur, il y a des options que l'élection est athée. Suite, il y a des autres, on va dire l'assemblée provinciale. Ce qui m'a critiqué, dans le maître Jeannot Lompépé Lobi, la corruption est même organisée ou orchestrée au sein de la CENI. Est-ce vrai l'organe organisateur, Yamapo Namiwana, Azalaye, peut tromper dans le cas de la corruption parce que la corruption, pour lui, ça se situe à tous les niveaux. Jeannot parlait de la CENI, moi je parlerai de l'homme congolais. L'homme congolais est corrompu. Même le président de la République qui est mort à l'Oba, à l'Obi, je ne suis pas président, il y a ma conscience, il y a ma Congolais. Parce que l'homme congolais est corrompu. Mais finalement, quelle est la solution? Oh, il faut te trouver. Wana. Aux États-Unis, par exemple, il va créer un système de lobbying pour éviter ma corruption. Il y a quota tellement la maquilla. Alors, pour éviter cela, il y a que non, comment? À tout moment, il y a la corruption, il y a la corruption. Oui. Alors, ils ont créé, ni moi, il y a lobbying, et ça, on a dit que non, moi, Mouké, et Pesamaka. Alors, mieux vaut, bon, je ne peux pas dire ça parce que dans ma terre, les dangers, ils allaient qu'il va gouverner, mais ça va créer la corruption. Mais c'est les dangers. Non, bien, mais Barouyo, Sohana, ça se voit déjà. Bah, député, moi, quand il y a un Barou, ce que mon imam, bah, Moussou, bah, ils désistaient. Pourquoi? Parce qu'ils disent, écoutez, na députés provinciaux. Na yebisi bango, regardez ceci, regardez ceci, mais bah, ah papa, biso toliani. Mais si kapena félicité, quelques députés.
provinciaux ont quand même idée à bien. Bango, ba sali cahier des charges na bango. Parce que je vois. Et ça trompe AIT, hein? Bon, ba sali cahier des charges na bango, ba du bobiso, to sérénie, n'est-ce pas? Quelques députés, voilà, pour ressasser ma problème, ma problème réel, oui. Ma besoin ressenti. Il y a population, alors tous les jours, on sait créer des charges, et tu reconnais maintenant que tout le monde gouverneur, ou futur candidat gouverneur, dans le programme, parce qu'en réalité, on devait voter par rapport au programme. Merci beaucoup. En réalité, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a combat, on a commerçant, voyez-vous donc, ma critère, mon co-o, et ça, 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 ça. Merci, maître Jacob. Mais vous verrez, jamais on peut venir défendre ma Merci, maître Jacob Mbangi, Ndeko, Gilles, Guilembi. Est-ce que ma ponami, Imboka, Bazali Kozela, sénatorial, mais également de gouverneur de province, la corruption est-elle inévitable? Merci Ndeko Maxime. Naza tout le temps que Zongisayo que Ozali ko massacré comme Guilembe. Il ne s'agit pas de Gilles Guilembe, mais il s'agit de plutôt de Gilles Guilembe. Au retenir yango une fois pour toutes, toza baninga to bani kalame, je pense que Ozali kobosana. Avant d'intervenir na motuna na yo na kulinga na balayé eloko moko ndeko en face a outi ko tchana mitu ya ba kongomani ezali nini ya lobby ke tozali en pleine crise na république démocratique du Congo na kuyebisa na ye ke république démocratique du Congo ezali na crise te. Pourquoi? Parce que ils allient là-bas institution où ils allient qu'au fonctionner normalement. Ils allient là-bas institution. Kobandana la première d'entre elles, ils allient institution président de la République. Tout à qui qu'au élire à 80% bah congolais bah pèse qui est confiance. Donc il n'y a pas crise. Donc pour n'engager na mona qui même 80% autre pèse qui Ndeko Félix Antoine Tshisekedi ils allaient qui mouké. 100%. Et c'est là qui a 98%. On te roule un roi de pays voisins. Alors, tous allés dans la crise, il y a mis balé à l'oubli que lutte contre la corruption et banda qui, avant gouvernement passé, donc Félix Tshisekedi a hérité Yango. Non, je pense qu'à s'adresser à bas Congolais, oh, bah vivre, n'est-ce pas, n'a pouvoir, oh, y a zali ko défendre les lots. Fait au basali qu'on continue qu'on vivre na avènement ya Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement au basali qu'on défendre ne comme Maxime la corruption ezala qui institutionnalisée ezala qui institutionnalisée donc on va parvenir à qui qu'on éradiquer en côté bah kokai qu'on éradiquer en côté parce que basala qui peut na makanisia qu'on éradiquer en côté oh Félix Tshisekedi nous allons comme on a ceux qui ouye ou yibi osako qu'on grimpe dans la fonction, ainsi de suite, impunité, n'est-ce pas, Bakanga Motote, Aibi Misolo à l'État, a détourné, et Tikala Kozalate, mais tout y est, comme on a eu un cas qu'on a avènement, il y a Félix Antoine Tshisekedi, a Meki, qu'on fait arrêter même ma collaborateur. Merci. Par rapport, il y a corruption dans l'élection. Ils allaient pointer dans l'horizon. Je pense que dans Kolobaboué, selon vision, il y a Tata Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi, Azali Kobundisa, n'est-ce pas, ils allaient corruption. Parce que à Outa Kolobayango, je pense que vous allez dans la mémoire courte. Alobaki ke yepo aleka président de la République aleka ki na tricherité et moto oyo akoyeba na ko passer to na ko pratiquer fraude to corruption akozala mosika na ye ako travailler na ete wana ezali mokonzi ya maloba ya tata mokonzi ya ekolo alors mais sikoyo tozali koloba ke corruption ezali ko salema soki na lobby ke corruption ezali te. En tout cas, naiko ko saba congolais. Ko saba congolais. Corruption et zali. C'est inévitable, hein, ma problème. Corruption et zali. Et corruption, on a zali importé.
Oh, importé, papa. Ils allaient importer de la part yaba infiltré. Oyo, baye na union sacrée de la nation. Parce que boyebike, na kati na union sacrée, vous allez be na ba infiltré, n'est-ce pas? Oyo nanu ba avaler vision à mokonzi ambokate. Baye pour na ba raison mususu oyo, bise to passé, toi la dernière, to kokiko, oyo to kokiko ignorer, baye na ba raison na bango, mais ba avaler nanu vision à mokonzi ya mbokate. Ba infiltré wana bazali beaucoup plus bande konabiso oyo ya dynamique 18 hein landa 18 dynamique 18 et où tu vas donc landa malobanangai oko comprendre ezali banani donc ezali batu oyo ba s'infiltrer ba koti et puis ba yena ba pratique na bango ya kala n'est-ce pas ba ye po ba exercer yango na kati ya ba institution oyo ezali ko se mettre en place. Alors azali kolite mais seul Félix Antoine Tshisekedi akokuka elo côté. Félix Antoine Tshisekedi pona ko bundisa corruption azali na posa na biso y compris ngai ona azali ko loba liboso ya plateau na yo to ko combattre n'est-ce pas fléau oyo ya corruption mais quand cela ne tienne Nazali ko profiter pour nako féliciter. Bazali ebele mais onga na zo information na ye ezali moko ya ba député provinciaux babengi na kombo ya Papi Kadima azali Eli ya Ngalema ya Kitambo plutôt. En tout cas incorruptible. Plusieurs fois sollicité mais na ba montant moko bien aimé de konai atikali ko CDT. Merci beaucoup. Je pense que pona ko za ba indice ya ba corrupteur ba service ya sécurité ba koki ko contacter de ko Papi Kadima akoyebi sabango banani o ba tenter ko corrompre na ba montant voilà. Exorbitant mais merci, atikali ko CDT to senga ba congolais balanda exemple ya bande kolokola Papi Kadima Ndekocho fidèle Boyo, l'homme de l'église au sein du village, le nom de l'église au milieu du village, vraiment en retard, Mbote d'ailleurs. Ah Mbote Ndeko Maxime, Mbote na Bandeko Nyonso, on a profité pour na pesa Mbote na Bandeko Nanga Nord Kivu Sud Kivu na sengi excuse parce que embouteillage oh na lobaka Maxime la police est totalement débordée. Na tikinda ko na 6h mais 3h plus tard nena ko ma 2h on pourra pas éviter téléphone et carrément. Voyez donc c'est terrible. Moi de l'obésité, voilà que c'est ça frustration. Mais frustration en même ma vie na rébellion. Voilà frustré mais pas aller à la rébellion. Justement, par rapport à cette question, Moni Bandeko Basiliko a relevé certain nombre de points que Maponami Obaimbo Kabadali Kozela, la corruption est allée inévitable dans l'organisation de Maponami O, mais Torozelandini, ce qui va fruit, il y a Maponami Oyo, Bazali, Babimi, na corruption. Peuple à Rosélanini. Na sepela mingi po sangisanga na politiciens de bazananga ensemble ao. Maxime, le peuple n'a rien à espérer. Pour deux raisons. Le pays est détruit par le système. Qui dit le système? La constitution. Le pays est détruit par les acteurs du système. Qui sont ces acteurs par politiciens au monde avant? Par politiciens. Mais ce sont les deux éléments qui ont détruit Mboka. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que mon à disposition, Oyo Bazako établi dans le cadre du système, ils ont fait ça tant que Mboka qui n'est pas espoir. Mais moi, je dis, quel que soit le mécanisme, parce que ce qu'on consulte à politologue, c'est que la politique est polysémique. Motomusa ko longa ba élection par la sorcellerie. Oh. Oui. Oui. C'est possible. C'est-à-dire que la politique étant polysémique, ce qui est plus important que comme gouverneur, va travailler pour la province, pour la nation. C'est ce qui est le plus important. Mais, dans le cadre où le système a été établi, le système est les autochtones, la gouvernance des originaires, il n'y aura rien. Tous ces candidats sont en train de se. Parce que vous parlez de la corruption. Il y a même la corruption sociologique. Mon ami, on va y mourir posé là. C'est-à-dire que les électeurs vont gouverner ou vont recevoir. Le problème est qu'on prend les corps. Le problème est que Bissot a proposé. Au moins, Bissot a proposé. N'importe qui, Oyakobima.
Après tout, bazaba na mboka. Pona ko gouverner za droit moto nonso. Nabo bazali awa bazape capable ya kobima ba gouverneur. Mais ce qui est plus important, toujours recommandé dans l'Assemblée nationale, que dès lors que Babandi, première réforme à ce qui concerne, n'a pas autorisé le chef de l'État à permettre le gouverneur et le vice-gouverneur. Tout lutter contre la gouvernance centrée sur les originaires. Tout lutter. Le pays est déjà divisé. Mon frère, mon Congo a quitté à cause de la gouverneur en Équateur. Mon gars a quitté à cause de la gouverneur en Katanga. C'est pas normal, le pays est déjà divisé. C'est-à-dire, ceux qui ont babimi, attention, ça va salir le mécanisme de l'union sur la salle. Parce que ceux qui ont la corruption, ils ont souka la corruption, ya mbongo. Mais la corruption est aussi sociologique. Dans le temps, on a fait cet exemple simple parce que Tozana est en dehors et là, on peut s'appeler Mathéa. Oui, en 2006, l'élection entre Ata Bombole et Kimbuta. Vous voyez, les gens qui n'ont pas mon combat jusqu'à aujourd'hui, bah, qu'ils ont marqué sociologique. Bobby, Martin Faul, c'était un tribal parce que alors vous voyez, après ça, Kimbuta. Non, Martin Faul n'était pas sociologique. Martin Faul n'était pas tribal. Mais sur le plan sociologique, bah, comment vous avez estimé que la province de Kinshasa, c'est leur province et ne peut diriger que M. Congo. Oui, c'est une corruption sociologique. Martin Faul était devant la corruption sociologique. Quelle que soit sa conscience, quel que soit son engagement politique, il devrait répondre à l'exigence sociologique. Et c'est ce qui se fait. Ce qu'on l'a dit même dans la province, partout. Non, c'est difficile aujourd'hui. C'est compliqué parce qu'il faut qu'on définisse la corruption, la qualité de la corruption. Oui. C'est pas seulement l'argent. Et en dehors de ça, il faut avoir des preuves. Oyebi, plus enseignants dans la rigueur, dans la surveillance, plus l'élève, étudiant, va développer un mécanisme à tricherie. Oyebi, on va découvrir après avoir déjà fait. Donc, tout ça, c'est pour dire que, après tout, ce sont nos frères et sœurs. Oui, vous avez chance, chance dans mon. Mais le plus important, c'est que ton lité, sont ton limite, ton résultat, ton lité contre le pouvoir centré sur les originaires. Ça dit faut qu'on permette pour que ton père sa chance dans le peuple à Meka, qu'on évolue comme il faut. Merci beaucoup, Diko. Jean-Fidèle Boyo, Maître Jeannot Lopempeto Zongelio, élection notamment de gouverneur et vice-gouverneur de province, Tose la Sunani pour remplacer Gentini Ngobila Mbaka à la tête de la ville de Kinshasa. Tout ce problème de Jeannot, Makambouya, transport, grille tarifaire non respectée, même la population a télémaqué, a caillassé même certains véhicules par rapport où il y avait pris au balai comme Matisse à la propre. Volonté d'Abango, problème d'électricité, si et là, Boussenga, bah, réforme, dans bah, différents secteurs, voilà, jusqu'à ce jour, bah, réforme, les Alikouyate, même discours, comment changer la donne des choses? Mais c'est très simple, Ndeko Maxime. Na linga kina ibisa, Ndeko Maxime, nani, Ndeko Bakoki latine na plateau na Tongalelo. Il vient dans les plateaux en tout temps comme un député professionnel, oh non, il y a Zali et corruptible, mais s'il vous plaît, monsieur, soyons serrés. Vous pensez qu'on a un député ou un an? Ce qu'il est fait, Aïf, c'est pas mon yosso. De quel courage tu viens d'aller là? C'est corruptible, Maxime. Non, mais maintenant, on a un bac qui t'a Maxime, c'est pas normal, c'est pas sérieux. Elle est corruptible. Donc, il faut inviter ces gens là-bas. Il y a des débats. Parce que si nous voulons créer encore davantage, on connaît la gestion. S'il vous plaît, tu es bien gestion, même il y a un président national, Benguine, à l'époque. Non, mais effet. Donc, c'est pas le débat. Voilà, je ne veux pas, c'est pas les débats. Parler. Mais j'insiste, je rappelle ceci. C'est normal que non, on peut adhérer à l'Union Sacrée ou pas. Mais vous êtes des non-alignés. Ça, c'est connu, c'est clair. C'est comme la bande de Kouawa. Bah, ça va non-alignés. La carte est l'Union Sacrée. Mais en réalité, ils sont là. Est-ce qu'il faut aller officiellement ou soit il faut rejoindre les cas opposition? C'est très simple. Vous êtes encore de jeunes, c'est un parti jeune. Le seul moyen, c'est quoi? C'est affirmer ou soit vous êtes à la majorité, soit vous venez à l'opposition, c'est pas un péché. Au lieu de dire, mais la commission, oh non, il faut signer les chartes. Non, ce n'est pas ça, non. Je comprends. C'est une question de positionnement. Vu qu'il n'y a pas encore l'opportunité, il faut mettre à l'autre. C'est comme ça que nous avons un aligné. Pour le reste, nous avons conseillé par Makele Lewana. Mais question fondamentale, c'est quoi? On le dit, ah ouais, bah, n'a-t-il pas tenté qu'on caresse? Non. Ici, les questions, moi je t'appelle même la population quinoise.
Ninga tu savais faut tout tel matin c'est l'année mars. S'il vous plaît, Maxime, il faut qu'on s'organise, que cela ne marche pas. C'est important, qu'on casse les biens d'autrui, qu'on casse les biens d'autrui. Et on met la solution pour qu'on ait un. Donc, s'il y a des leaders, je crois que dans chaque district, il faut une marche pour qu'on ait de sorte que notre peuple congolais a dénoncé le Kouana. Parce que tout est bandé par Tiani, par rapport à aussi à carburant. Pratiquement, un litre de ça, c'est comme 3500. Un carburant m'a dit, il y a pas que, Maxime, attends, Maxime, 200 francs, voilà. Et ça est belé déjà. Parce que prix à transport, la ville à Kitsasawa, ils ont d'abord respecté. Chaque qui transportait, à ça, la prix, il impose au peuple comme un paisible citoyen. Par rapport à la circonstance, en moutier, ma casse, à ce la demi-terrain, à Matissimo, il y a un coût à transport. Ce qu'on s'est rencontré au Kennedy, je suis allé, c'est par rapport à la défense à l'État. C'est ça aussi le problème. C'est le même discours. Parce que le problème, c'est quoi? Non, Maxime, ce sont les mêmes discours, oui, qui vont imposer l'ordre dans le secteur. Voilà. Mais c'est l'État. C'est l'État congolais. Regarde, s'il vous plaît, Tarif Yezali, il a arrêté pour faire ça, il est là. Non respecté. Mais qui va impliquer ça? N'est-ce qu'on fait respecter? C'est l'État, c'est ça le problème. L'État qu'on a des foyers, Maxime. Parce que les lois, et c'est ça qu'on m'attend. Il y a des conséquences. Tu as communiqué à l'année, il y a des moudim. Un ministre est compétent qu'il est, oh. Ils ont minimisé le Kouana. Ils ont minimisé le Kouana, voilà. Le ministre peut-être c'est quoi? C'est de bien gérer le secteur Kouana. Il n'y a pas un problème. C'était un problème logistique. Non, s'il vous plaît. Il y a déjà résolu non, pour lui. Pour le problème ministre. Logistique, ils ont par rapport à stock, Maxime. Ils ont question que non, essentiellement, Mazout et Mati. Directement, peuple congolais. Quel est l'intérêt à peuple de la Kouana? C'est ça aussi le problème. On a vu même les débats à l'époque de Kamere. Les histoires sont retour comme ça. Mais ce qu'on a pris, Mathieu, même il y a Karabia. Il y a d'abord un ministère, il y a donc Karabi. Il y a d'abord même le ministère de l'économie. Il y a le ministère de la finance. Donc il y a beaucoup de ministères qui travaillent dans le secteur de Rwanda. Donc il y a pas de l'eau qui n'a pas. Nous sommes les amis sur les peuples congolais dans les victimes. Merci beaucoup. Parce que le Mekotu Lombo, le gouvernement, il y a un discours à le peuple d'abord. Peuple d'abord et Kenda. Merci beaucoup. Peuple d'abord, il faut le plus que la vie pas. La transport, exacte. L'OPP, Ndoko, Jacob Mbangi, comment changer des narratifs, Ndoko, ministre de la communication, comment changer les narratifs, il y a un problème, il y a transport avec le prix tarifaire non respecté depuis publié par Gentini Ngobila, côté à courant, côté à Maï, tu as parlé même, il y a problème, il y a délabrement, il y a certaines routes ici dans la capitale Kinshasa. Comment changer les narratifs, tout créer, pas problème, moi, on a voulu trouver solution aujourd'hui. Ndeko Maxime, je vais répondre directement à la question à yo. Au moins, moi je l'ai toujours dit, même dans la tribune, ceux qui ont eu même temps, autant en tweet, au moins, j'ai soulevé un sérieux problème dans le cannabis. Nous avons un manque de système structurel, il y a développement. Oui, ça a beaucoup plus ces alliés conjoncturels. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, alors ça, la peau n'a besoin d'aller voir. Mais le système est éthique là. Parce que ailleurs, ça se fait comme ça. Pour le développement d'un pays, ce ne sont pas des politiques. Ne pas penser à non. Et ça, dans groupe, n'est-ce pas, il y a tout, réfléchir. Bon, pour la question, par exemple, il y a carburant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la question, tout ça, dans le modèle, il y a développement. Ils allaient structurer, dans et tout le monde, ce qui a eu, azo suivre, n'est-ce pas, plutôt action, ils ont suivre, Ninouana. Et. J'ai rejoint M. Jean-Fidel Boyo, l'air à l'obino, le système est défaillant. Je suis d'accord avec lui. Mais et le roman kaka, le système est constitué kaka loi. Parce qu'au-delà de la loi, il y a les croyances, il y a tout ça. Mais défaillance, il y a un système d'ambition, j'allais dire à quoi? D'un côté, la loi fondamentale n'aspire au fait, ils ont rejoindre aspiration populaire. Ce n'est pas la constitution de l'eau, n'a pas réalité sociale. Boutouna Moui. Je vous dis la vérité. Justement, il y a un principe de droit, le peuple ne veut pas me contredire. Ubi lex, ubi societas. Ça veut dire une loi doit refléter la population. Mais ce qui est déjà. La société évolue. Oui. Alors que la loi n'évolue pas, il y a un problème. Alors tout ça, il faut te vendre, te réfléchir. Parce que
Ce qui, il y a des acteurs, oui, il y a des acteurs politiques, moi je suis acteur politique, mais les acteurs politiques, oh, ils vont réfléchir ça. Les acteurs politiques vont réfléchir ça. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le cas. Mais avant, dans la zone de Maloba, Maître Jacob Mbangi, il est déjà vendredi. Vendredi, il y a le conseil des ministres. Oui. Problème, il y a détournement. Et comme il y a un challenge, oh, il y a TikTok. Ce n'est pas mon détournement, c'est le détournement de lui. Ce n'est pas mon détournement, c'est le détournement de Jadot. Il y a un missing à l'objet. Il y a un combo. Moi, il y a un conseil des ministres. Il y a un combo. Le ministre va vendre au Nika. Il y a un kangama. Parce que revenons d'abord au droit coutumier. Revenons au droit coutumier. Parce que le droit coutumier, c'est aussi. Ça fait partie aussi, n'est-ce pas, d'applicabilité dans vos. Voilà pourquoi c'est important de passer un message. Oh, bah tiens, ministre, oh, le qui. Ça fait partie aussi du droit coutumier. Parce que mon conseil, on va dire la justice est malade. Ok, la justice est malade, mais toi, revenu pendant le droit coutumier, demandez moi. Parce que mon ami, ce n'est pas mon détournement, c'est détournement des gens, non, ce n'est pas mon détournement, c'est détournement des frères. Donc, ton ami, en haut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette question des détournements. Comment qu'est-ce que ça passe? Ça commence à être grave. Je suis en train de faire la communication pour lui. Merci beaucoup. C'est une communication pour justement. Mais qu'est-ce que passe? Je suis en train de faire la communication pour lui. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai le seul que l'objet tenant à Malembe. Quand tu es leader d'opinion, Malembe. Merci beaucoup, Maître Jacob Mbang. J'espère que la population qui nous suit à ces nets moments va tirer ce qui est de meilleur pour le développement de notre beau cher pays, la République démocratique du Congo. Jean-Fidèle Boyo, comment changer les narratifs face à ces différents problèmes? Vous allez guetter le lot, Congolais, vie est commis vraiment cher, transport. On n'en parle même pas, les embouteillages d'autre côté, courant maï. Comment trouver solution et changer les narratifs? Tout le monde a raté d'obéir la réforme structurelle, conjoncturelle au gouvernement, ça qu'a sur place. Mais ma solution, mon corps, oui, vous mettez là, ils allaient. N'a pas dit que à Kinshasa, le jour où le chef de l'État va taper la main sur table, c'est là le Makameko changer. Vous voyez que vous allez gouverneur à Kinshasa. Et ça n'a pas mon côté na gouverneur na Katanga. Le gouverneur na Kinshasa a une difficulté ébélée, structurelle, réglementaire, relationnelle. Si on a un trouble, et ça bateau a plus proche au niveau central. Si le gouverneur ose même dire quelque chose, ce sont les ministres qui vont descendre. Ce qui le chef de l'État a une volonté ferme. Il y a copé sa pouvoir, le vrai pouvoir, na gouverneur, il y a ville à Kinshasa, c'est là où les choses vont changer. Mais tant que Kinshasa a géré na Meli Melo, tantôt c'est le niveau central, tantôt c'est le niveau provincial, eh bien, na kaka système, on ne peut rien espérer. Attention qui, osa un meilleur, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de détourner. Maintenant, à côté système, il y a détournement, et le système s'impose. Le système s'impose. Bah, détournement, mon sous tozo kokolobana, et ça indirect imposé par l'hiérarchie. Et il faut le faire. Les décisions prises par l'État est capable d'être. Donc c'est tout à fait normal. Ah, on a Kinshasa, il faut toujours on a une particularité. Mais la seule personne qui peut sauver, c'est le chef de l'État. Ce qui a perçu plein pouvoir na gouverneur. Et puis bon, on se va sentir que c'est lui le gouverneur. Les choses vont changer. Non, mais c'est un choc à Meki Mamouke, Babengi. Moi, toi, on a Bengi à peine, à niveau de la présidence. Je suis président. Je suis à le ministère, je suis ceci. Le gouverneur a commis affaibli. Vous voyez, tant que vous avez une époque à Covid, au moins une décision, tant que vous avez une colo. Talandengi est général, il y a la police. À l'époque, à Bandaki côté le Missa, même les excellences, même les autres généraux plus gradés que lui. Parce que le président de la République a pris l'option. Dans le cadre de ceci, voilà ce qu'il faut faire. C'est si le chef de l'État dit, le jour où le chef de l'État va taper.
taper la main sur la table pour Kinshasa, Kinshasa va changer. Mais tant qu'à Tiki Nano, na observation, observation démocratique, Alingi, Mbappé, non, il va péter, sauf qu'à méditer, je vous dis, c'est ça la vérité, rien ne changera. Même pas de voter, Bango, attention, va permettre, mais Kinshasa, dans la particularité, il faut tenir compte de notre système. Merci beaucoup, Ndeko Gilles Guilembe. La lecture de fait par rapport à tous ces problèmes, les alignes ou pas, il faut que vous ayez causé la vraie solution. Merci. Nako laisser passer te eloko ndeko nanga en face le PP a outi koloba par rapport il y a ndeko Constantin Bengele critiquer la gestion il y a Constantin Bengele la passage naye na FPI ils allaient corréléver na eloko mosusu te ce qui mauvaise foi te et sengeli azala na mauvaise foi et je comprends que à une décision, il y a co-pérenniser, n'est-ce pas, acquis, il y a FCC. Oui, ils allaient mauvaise foi, corruption, tuerie, ainsi de suite. Donc, à ce pays-là, co-pérenniser, il y a un mot. Et il passe comme on a dit que c'est un jeune homme, à l'ingi, à côté, à tamboulan, à logique. Écoutez, Ndeko Constantin Bengele, Azalaki na kati ya système, mais il a été combattu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Azalaki kotambola, Azalaki ko nager à contre-courant. Azalaki ko nager à contre-courant, Azalaki ko répondre selon ba exigence ya FCCT. Ya ngonde ba yaki ko combattre. On sait l'histoire de Zongeli, voilà. C'est dossier capital. Je pense que c'est l'année informé qu'ils ont un déco. Oh, il a fait ça qui mission pour nous salir un déco Mbengele. Et na simana yango avant akufa aiko sala mea culpa. N'est-ce pas, na etando, il y a Assemblée nationale. C'est fille un député. Ayaki kosenga pardon, n'est-ce pas, na liboso ya perchoir et Assemblée. Je pense que dossier on est allé pour Batonio Sobaïba pour l'appeler. Constantin Mengele Baibike. Nabiso, oui. Merci. Et par rapport, il y a transport en commun. Il y a des lois, n'est-ce pas, où ils allaient corriger le domaine où il y a transport en commun. Qui sont les applications? Il y a un tarif où ils allaient élaborer, mais ils allaient souffrir, n'est-ce pas, dans l'application. Non respecté. Ils allaient non respecté. Nani ils allaient respecter en côté. Ils allaient, usagers, n'est-ce pas, il y a transport en commun, ils allaient, transporteurs. Et transporteurs, wana, na usagers, ils allaient, nani. Ce sont des Congolais, ils allaient, nganayo, n'est-ce pas? Wana, ils allaient, par nabiso, il y a responsabilité. Mais il y a aussi les dirigeants, n'est-ce pas? Par exemple, dans la ville, province, à Kinshasa, tous allaient, les lots, na gouverneur, azali, n'est-ce pas? Et c'est ngilipe azoa, makambuna, na maboko. Mais curieusement, vous allez constater que le domaine wana est allé abandonné, laissé na triste sort. Au moment bande kobaye ba fixer transport arbitrairement et peut-être liboso ya ba agent de l'ordre moto a conquêté moto azalité. Alors à ce moment-là tokoki ko appliquer ce que je salue la mémoire il y a Musée Laurent Désiré Kabila à Lubaki que tout se prendre en charge. Mais faut se prendre en charge. Se prendre en charge et allé nengenini. Vous savez que même Bissoba Isagé a un transport l'État a défaillant. Non, l'État a un défaillant, oui, na une partie, parce que l'État, tous allés, structuré, n'est-ce pas? Ville, ils allés, n'a pas autorité. Mais ceux qui ont autorité, ils vont répondre de tout, ils vont respecter la vision de Mokonjambo Kate. L'État et Bissot, peuple congolais, ils vont se prendre en charge. Donc, se prendre en charge, n'est-ce pas? Donc, il faut boycotter par exemple, comme Matanami Touka Oyo, exagérer le prix. N'est-ce pas? Mais il y a un mot de l'exagérant, il y a un mot de l'exagérant. Il y a un mot de l'exagérant. Ok, nous alors, jamais habité. Ils allaient, l'olenge moussous, ils allaient se prendre en charge, ils allaient empêcher Mokowana, Oyo, Akoboya, n'est-ce pas, et Kolandabaninga Nyoso, pour Nagokota, par exemple, Namotuka Oyo, exagérer le prix. Donc, et Sengeli Biso population, tu es Banako, Sungape Bakondiamboka,
de se prendre en charge, de boycotter Bango. Je pense qu'il va revenir. Merci beaucoup, Dekojil Guilembe. Voilà, nous allons lire les différents messages. Il y a Baimbo Kao Bazali Koutantabissou en direct dans ma différentes stations. Liberté à travers la République. Voilà. Bonjour, Deko Maxime. C'est Fabrice Makabou de Pekisensou. Jean-Fidèle Boyo in Église doit être. Du côté de la vérité, l'homme politique congolais est né corrompu. Voilà. Bonjour, Deko Maxime. Dans un pays où tout est permis, dans lequel on vit l'impunité institutionnalisée, la division, l'égoïsme, la corruption à ciel ouvert et la politique de deux poids, deux mesures, on ne peut rien espérer de bon, sauf le plaire et dénonciation interminable. C'est lié. Matumona depuis Lingwala, bonjour, je vous écris pour manifester mes regrets d'avoir voté Félix Tshisekedi, parce qu'en votant Félix, je croyais qu'il allait changer sa façon de gouverner, mais malheureusement, il n'a suivi rien jusque-là. Félix Antoine Tshisekedi. Bonjour Deko Maxime, Yepsa Jano Lopempe, To Salaka, tout pour na. Tout pour la Kabila, même na ba prière, mais bango ba flatter na ye ba lingaka te. Le promoteur de la corruption, Joseph Kabila et Moïse Katumbi, ce sont eux le roi de débauchage. Ils ont même corrompu les facilitateurs Eden Kodjo. Gaylor depuis Boumbou qui nous écrit. Bonjour Deko Maxime, Tuna Moutou Yaino Sacré, Ponani Nimboso à Silikaki. Mbosso aboyaki mbote pona nini mbote après ça qui mbote alanda qui image Jano de ko Maxime Zanga Alain depuis Bandalungwa tout na maître Jacob union sacré ce qui est yaki ko boma mbokate pona nini lelo toza na secrété. Bonjour de ko Maxime espoir Masamba yé pisa mutu oyo azali ko loba élection et salamaka et salamaka et salamakite atika pure distraction. Tous à la qui n'a pas ça, il y a Koyo Kalisu Souba Aventure, Wanate, Pomo Kondinae, Azwakate, Yango, et Pesa, Bango, Biloba Loba. Tout n'a pas, président RDC Azalinani, s'il vous plaît. Président RDC Azalinani, Baebi. Bonjour ma radio, dis aux invités de l'Union Sacrée qui avaient introduit les gens des FCC en donnant de palissades. Bonjour Maxime, c'est David, na Komelio, depuis commune Yamakala. Pourquoi Bandeko ya Union Sacrée Bazanga Soni Bandimaka Mabena Bango Te Tina Toluka changement Yamboka Ezali Wapi. Bonjour Deko Maxime, Deko problème ya corruption et za faux débat na système ya décentralisation. Il n'y a que le respect, il y a rétrocession, Deko solution et développement, il y a pas province, et za te gouverneur originaire ou non originaire ou gouverneur corrupteur ou non corrupteur. Bazali Ndenge Moko, sans qui Jean aimé depuis Galiema. Voilà, tout Tanga. Message à Baimboka. Bonjour Deko Maxime. Je pose la question à Jano Lopempe. S'il parle au nom de quel peuple? Du peuple congolais que je suis ou des Congolais de l'AFC? Ayoka Soni, il devrait déjà rejoindre les autres de l'autre côté de Kigali. Merci, c'est papa Maurice. Jamais en aucun cas. Jamais en aucun cas. Mamba, nous allons prendre d'autres personnes à vive voix. Là, ça sera la deuxième partie avec Bonner Dinga. Vous allez prendre 30 secondes pour clôturer en toute beauté cette émission. Rendez-vous auditeurs. Tobena, de cochon fidèle, Boyo, Baimbo Kabaretoni, en gros, avec à la lumière, il y a une intervention là-bas sur le message. Baimbo Kaba retenu que tout ça toujours une difficulté parce que système n'a pas acteur et un système basé pour travailler en faveur de la population. J'ai aimé mettre à l'objet, même si je ne suis pas juriste, on nous a toujours dit l'effet social précède la loi. Oui. Ça dit que la loi actuelle doit s'adapter aux faits sociaux. Le peuple commence à s'intéresser de plus en plus de la politique et la loi doit accompagner le peuple pour faire la volonté du peuple. Donc, l'institution a vu ce temps que Bazako gérer le système, s'adapter non à la volonté du peuple, le peuple n'a rien à espérer pour le moment. Merci beaucoup, Ndeko Gilles Guilembe. Voyez-vous qu'on va retenir en gros dans 30 secondes. Mikolele Kimouke, Bandeko, tout est qu'on vivre l'élection.
n'est-ce pas, il y a président, il y a assemblée provinciale, il y a ville province de Kinshasa. Lévi Mbuta. Il y a qui ko élire, qui sa confiance dans Deko Lévi Mbuta. Je pense que tout c'est ça qui nous parce que personnellement, il y a qui nous malamouté. Et c'est là qui nous a fouillé, nous a passé, pour nous a qu'est-ce qu'il est réellement. Le coup là-bas français, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Na yebi na kufuye pe na zui moi ba élément par rapport ya ndeko oyo Lévi Mbuta na kuki ko conclure que ba député provinciaux ba opérer un choix judiciaire na kuvota kandeko Lévi Mbuta. Merci beaucoup na PCM Mbote a continuer na élan, n'est-ce pas, ya ba résultat oyo to yebelier na passage na yebaye aleka ndeko Jano Lopepe. Non mais Maxime, les mots de la fin sont très simples. Bah, Kino, il faut battre les mains. Au moins, tu mets ça dans mon école, s'il vous plaît, Maxime. Tu mets ça dans mon école, pas les matières, tu vas massacrer. Souka les matières, tu vas massacrer. Il est temps que non, chaque Kino atteigne ma place à Zali. Il faut pas bas dans nanine, n'est-ce pas qu'on exige. Bah, résultat et défavorabilité. Na Kinshasa, awa l'idée pèse a promis. Les peuples d'abord, ils allaient wapi. Donc, à un moment donné, il ne faut pas dire qu'un sentiment. Il faut dire qu'on a une IDPS. Non. L'IDPS a échoué. Et que l'IDPS n'a mandat oyo. Va couper ses lots comme à l'ongaté. C'est très important, Maxime. Naza ko souki sa ko sen a boye. Ma kambete la bikon a l'ouagi na debi émission, Maxime. Ma frère y a forage par la padè. Na vila ki tchassa oa même su na. Na sape y a mbou kanabiso. Yeba ke moi personnellement. Merci. Vous déposez mes mots. Merci. Quelqu'un le col à Nicolas Kazadi. A propos de son gouvernement. Tant que judiciaire. Et sinon, le tête, il va être à côté. Merci beaucoup. On termine avec Maître Jano Lopembe. Maître Jacob Mbangi. Maxime Olalaïwa. Jacob Mbangi. Vous savez, Montesquieu. Jano Lopembe, un perturbateur. Montesquieu a dit. Tu le connais. Montesquieu a lobby. La finalité d'un pouvoir politique, c'est le bien-être de la population. Voilà pourquoi parti politique écolo toye pour mettre en place cet idéal. Okay. Parce que biso toye n'a pouvoir service. Voyez-vous, donc les Non, c'est pas n'est-ce pas, bateau tout à la musique, tous en des bactères. N'est-ce pas, il y a changement, bactères, il y a développement. Alors, pour nous rejoindre, venez à Avenue Livungi numéro 147, dans la commune de Kinshasa. Tous à Livungi. Livungi. Donc, Livungi Wangata, tous à Livungi, bande de gognons, au Baniba adhérer à la parti politique écolo. Oyo, et quand même, on a président national, Chris Mukendi, Boya, beaucoup, la plupart, tous les jeunes, parce que nous voulons mettre la jeunesse dans un parti de décision. Non, non, c'est pas seulement le parti des jeunes, mais la plupart, ils arrivent à jeunes. Moi-même, secrétaire général, Monique Nazarenano, et Lengue, ce qui veut dire que à venir, ils arrivent, Moulaï Boya, Tobunda, Tobunda, la écolo, parce que na écolo, n'est-ce pas de l'école. Voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs à Canal Congo Télévision, auditeurs, il y a 87.8 MHz. Rendez-vous des auditeurs, l'unique et la seule émission. Oyonzambe a sepela kotala. Ceux qui à la mouki, à Fongolaka TV Nae, ceux qui rendez-vous et Sili, à Kangi. Aki ko sala makambo mususu biso pe to sukisi ya tozaki esengo ko même nos maître Jacob Mbangi, secrétaire général du parti écolo, maître Jano Lopepe, cadre FCC, Jean-Fidèle Boyo, l'homme de l'église au sein du village, délégué général de la société civile émergence du Congo, de Kojil Guilembe, Wazali interfédéral Union fait la force na tondi bino botondi. Merci. Vous allez équiper Bélé de partout, à travers le monde. Dans différentes stations Radio Liberté disséminées à travers la République. Vous avez vu ça en direct, mais également les bandas. Il y a Mboka sur YouTube, c'est cette viralique officielle. Merci pour la participation à Binopé. Attention soutenue, une émission réalisée par Moro Djambé. Dieu merci qu'il faut être en régie d'antenne radio. Ndeko Junior Kassanda Urbain Kanyoma sur vos cerveaux bleus à la radio. Alain Kabongo na web et José Andia Marité et Godo.
La prise de vue, Doudou Moutiri à la production. Tokouten Abino, de la semaine prochaine pour continuer les débats, parler de la République. Pouete Mbongwana et Kota, Nambo Cannabis au Congo, Boutikali, Malamu, na Mabota Nabino.